avec Julien d'être avec vous ce matin à 8h30. Moi, je trouve personnellement qu'il n'y a pas de meilleure façon que de se réveiller comme ça et que c'est hyper boostant avant de commencer notre journée. Donc, merci à tous d'être là. On aura sûrement des retardataires qu'on admettra au fur et à mesure, pas de stress. Avant de laisser la parole à Julien et de rentrer dans le vif du sujet, pour moi, c'est super important de revenir sur quelques petites choses. Tout d'abord, si vous pouviez tous, si la connexion vous le permet évidemment, mettre vos caméras, c'est toujours plus sympa pour Julien, pour moi et puis pour nous tous de voir des visages derrière nos ordis, c'est toujours plus cool. Ensuite, on va passer à peu près 1 heure ensemble. On a cette fois-ci divisé cette espèce de webinaire en plusieurs grands temps parce que, comme vous l'avez vu, on n'a pas appelé ça un webinaire, mais un WebiWork. C'est la première fois qu'on fait ça chez Lyon. On est super contents, je suis super contente de le faire avec Julien. Et en fait, ce WebiWork, pour nous, c'était faire une partie qui reste de la présentation, qui est un partage d'expérience et la vision de Julien sur la posture du servant leadership et une deuxième partie qui est cette fois vous engager, vous faire réfléchir et vous le fait que vous puissiez apprendre en faisant, en vous posant des questions et en pouvant aussi partager avec Julien vos opinions. Le but de ce WebiWork, du coup, c'est aussi d'insister sur un des piliers d'apprentissage qu'on a chez Lyon, qui est apprendre en faisant et qui est vraiment quelque chose de très très important, très très important, pardon, pour nous. Et c'est pour ça qu'on a décidé de passer des webinars au WebiWork pour que vous, les participants, vous soyez plus engagés et que vous soyez actifs dans votre apprentissage et dans ce moment où on va pouvoir échanger ensemble. Donc, vous pouvez laisser vos caméras allumées. On va couper les micros, même s'il y aura tout un temps où on sera micro allumé. Et si vous avez des questions que vous voulez poser à Julien, vous pouvez soit écrire dans le chat, bien sûr, ou alors allumer vos micros à un moment où vous ne coupez pas Julien, évidemment, en plein milieu de sa phrase, pour pouvoir lui poser votre question. Voilà. Alors, ensuite, ce qui est important aussi pour moi de vous rappeler, c'était donc qui on était chez Lyon. J'ai reconnu certains noms. Je sais que Julien a reconnu d'autres noms et que certaines personnes ne connaissent pas du tout Lyon. Donc, en fait, Lyon, on est une école. Nous, notre parti pris, c'est de dire qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre et vraiment qu'au contraire, il faut le faire tout au long de sa vie. Et on souhaite vous accompagner pour que vous soyez actif et épanoui dans votre vie professionnelle. Et être actif et épanoui, ça passe par beaucoup d'éléments différents. Rencontrer plein de gens, découvrir des outils, comprendre comment c'est fait ailleurs, réfléchir, comprendre ce que vous pouvez prendre et adapter à votre situation. Enfin, ça passe par beaucoup de choses. Et nous, Lyon, on vous accompagne dans cette démarche-là à travers plusieurs axes de formation, mais toujours basé sur trois grands piliers qui sont super importants et qui sont le premier, évidemment, nos intervenants, qui sont des experts terrain, pas des conférenciers, qui vont vous partager leur vision, leur retour d'expérience. Ce n'est pas une vision blanc ou noir, c'est leur façon de faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que parfois, vous allez pouvoir prendre des choses et les adapter à votre situation, mais parfois pas forcément. Mais ça va vous permettre de vous poser des questions, ce qui est aussi hyper important. Donc là, comme aujourd'hui, on a Julien qui va vous parler de ce qu'il a vu dans ses différentes expériences et sa vision, sa définition du servant leadership et de comment l'incarner et comment l'appliquer à ses équipes. Le deuxième pilier qui est très important dont je vous parlais il n'y a pas longtemps, c'était donc d'apprendre en faisant, la mise en pratique, mettre les mains dans le cambouis, parce que c'est comme ça qu'on retient le mieux et c'est comme ça qu'on va aussi se poser des bonnes questions. Donc par exemple, si on parle Docker, vous pouvez comprendre comment est-ce que c'est censé être créé, mais le faire et définir vos Docker, c'est un peu plus compliqué si vous n'êtes jamais posé dessus pour vraiment le faire. Donc la mise en pratique, c'est vraiment très important. Et notre dernier pilier, c'est la communauté. Donc c'est évidemment, on apprend par ses intervenants, par la mise en pratique et en échangeant avec les autres personnes, que ce soit les personnes qui sont avec vous dans une promo ou là dans ce webinaire, ou que ce soit les personnes par la communauté de manière un peu plus générale, donc toutes les personnes qui sont passées par chez Lyon, parce que depuis qu'on a été créé en 2016, on a plus de 4 000 alumni et plus de 350 intervenants. Donc on commence à avoir une grosse communauté. Voilà. J'en profite aussi pour rajouter que le but de ce WebiWork, c'est aussi de comprendre qu'en échangeant avec les autres, on peut apprendre. Et c'est pour ça, dans un second temps, on vous mettra en petits sous-groupes pour que vous puissiez échanger et vous challenger.
Je ne me suis pas présentée d'ailleurs, donc moi je m'appelle Joséphine, c'est moi qui organise ces webinaires. Je travaille chez Lyon depuis bientôt 2 ans et je suis en charge des formations métiers. Les formations métiers, c'est toutes les formations qui sont des formations d'initiation à certains métiers. Et vous, en tant qu'individu, donc tout le monde en tant qu'individu qui a la volonté d'apprendre et envie d'apprendre ce métier-là et de découvrir ce métier-là, peut s'inscrire et rejoindre ces programmes. C'est évidemment dans ce cadre-là que moi j'ai rencontré Julien. C'était pendant la formation Team Leader. Donc, c'est une formation en 22 heures pour soit des nouveaux managers qui veulent apprendre des méthodes et des outils et comprendre un petit peu quelle organisation ils peuvent mettre en place en tant que nouveau manager, soit pour des managers qui le sont déjà depuis plusieurs années, mais qui ont envie d'échanger avec d'autres personnes qui peuvent avoir les mêmes problématiques qu'eux, qui ont fait des choses qui ont marché ou pas marché et qui ont envie un peu de revoir l'organisation. Est-ce que ça a toujours du sens, ce qu'ils ont mis en place? Est-ce qu'ils peuvent apprendre de nouvelles choses? Évidemment, tout le monde peut toujours apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, c'est une formation où on a défini 7 grands piliers et à chaque pilier différent, c'est un intervenant différent qui vient animer cette session parce qu'il est expert de cette thématique-là. Et moi, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Julien parce que des collaborateurs de Bellman sont venus se faire former chez nous. Et donc, on a beaucoup échangé avec Julien sur sa vision du management, notamment sur le servant leadership. Donc, c'est pour ça que c'est un grand plaisir d'avoir aujourd'hui Julien avec moi. Si vous avez des questions sur la formation Team Leader, n'hésitez pas soit à m'envoyer un mail à joséphine@johnlyon.co, soit à contacter Camille de Lyon qui pourra aussi répondre à toutes vos questions. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est à ce moment-là où moi j'ai rencontré Julien et on a pas mal échangé sur ce que ça voulait dire le servant leadership, notamment parce que la première session de cette formation, c'est justement revenir sur ce rôle de manager qui a évolué et sur ce que ça voulait dire le servant leadership. Donc je suis ravie d'avoir Julien avec nous aujourd'hui. Merci encore Julien. Je vais pas trop te présenter parce que tu vas le faire beaucoup mieux que moi et donc je te laisse la parole. Merci Joséphine. Salut à tous. Je suis super content d'être sur ce WebiWork ce matin. Alors, c'est un petit peu matinal. Je pense que la majorité des gens sont contents d'être là également, mais se disent, c'est un petit peu tôt. Bon, après, il y a une récompense à la clé. C'est pas forcément le webinar, c'est plutôt l'ouverture des terrasses ce soir. Et je pense que la majorité des gens vont en profiter, et moi le premier. Alors, certains me connaissent un petit peu sur le Zoom. Je suis content de revoir quelques têtes que j'avais pas vues depuis pas mal de temps. Je m'appelle Julien Proust, pour ceux qui me connaissent pas. J'ai 32 ans. Je suis nouvellement papa d'une petite Théa qui a eu 3 mois il y a quelques jours. Côté pro, j'ai passé 6 ans chez Uber à différents postes, quasiment exclusivement côté opération. Et mon dernier poste, ça a été General Manager pour plusieurs villes en dehors de Paris pour le business Uber Eats. Donc 6 ans chez Uber, ça m'a apporté pas mal de choses. C'est aussi là que j'ai réussi à comprendre ce qu'était la culture, comprendre ce qu'était le management, à commencer réellement à m'y intéresser, voire à m'en passionner. Et j'ai décidé de creuser le sujet de plus en plus sur les dernières années. Depuis décembre, j'occupe un nouveau poste dans une nouvelle entreprise. Je suis chez Bellman, je suis directeur des opérations. Bellman, c'est une start-up qui a été créée mi-année 2019, donc qui est plutôt jeune pour l'instant, et qui réinvente une industrie et un métier qui est très complexe à réinventer, qui est le syndic de copropriété. Tout le monde sait ce qu'est un syndic de copropriété. Il y en a beaucoup qui ont une expérience qui est catastrophique, d'autres qui ont une expérience qui est plutôt satisfaisante. Il n'empêche que c'est un métier qui est très, très complexe, et le réinventer, c'est un vrai challenge au quotidien d'un point de vue managérial, d'un point de vue culturel, d'un point de vue outillage, d'un point de vue communication, d'un point de vue commercial. C'est quelque chose qui est compliqué. Et du coup, on supporte ce challenge avec beaucoup d'enthousiasme au quotidien chez Bellman. On se développe vite. On est passé en 6 mois de 18 employés à 60. Et c'est que le début, parce qu'on recrute énormément dans les prochaines semaines. On a d'ailleurs des postes qui sont ouverts dans différentes fonctions. Mon périmètre aujourd'hui chez Bellman, c'est faire en sorte que les copropriétaires soient satisfaits, grosso modo. Donc, il y a vraiment la satisfaction du client final qui fait partie de mes principaux objectifs. Je dois également faire en sorte avec l'équipe que la machine opérationnelle tourne, qu'elle soit bien huilée, que l'on puisse onboarder les copropriétés de manière extrêmement fluide, que les gestionnaires de copropriétés puissent avoir les outils, les process nécessaires pour bien faire leur boulot et du coup qu'ils puissent s'éclater. Et on y reviendra un petit peu plus tard. J'ai pas mal de challenges, comme je le disais, managériaux et culturels à ce poste-là. Ce qui est assez particulier, c'est qu'on est une start-up,
mais qui est hybride. On propose un produit, on propose de la tech à destination des copropriétaires, mais en même temps, on a une force de frappe assez importante sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a des gestionnaires de copropriété, des humains, des vraies personnes, ainsi que des comptables qui font aujourd'hui partie de l'équipe opération. C'est une population que je n'ai jamais eu l'habitude, en tout cas, de travailler avec dans le passé. Chez Uber, par exemple, on travaillait beaucoup avec des gens qui sont similaires à nous, qui ont fait les mêmes études, qui ont fait la même école, qui ont plus ou moins les mêmes compétences. Donc, c'est simple de manager des gens qui sont comme ça. C'est simple d'appliquer une culture dans ce genre de population avec des gestionnaires de copropriété et des comptables qui viennent d'un environnement qui est complètement différent. Il y a un véritable challenge culturel. Et c'est là où on s'éclate. C'est réellement ce qui est très excitant. Et du coup, ces changes managériaux et culturels, comme ils sont complexes, c'est aussi le moment de réinventer les méthodes. C'est le moment de se poser les bonnes questions et de se demander est-ce que le leadership que l'on avait dans nos précédentes expériences, il est applicable également dans un environnement où les gens sont potentiellement différents. Et c'est là où j'applique du coup le servant leadership. Alors, le servant leadership, c'est un terme qui n'est pas très connu aujourd'hui, mais qui commence à être de plus en plus communiqué par différentes entreprises. En termes d'introduction, la présentation d'aujourd'hui, donc comme le disait Joséphine, ça va durer 15-20 minutes à peu près. Il ne faut pas hésiter à m'interrompre sur le chat avec les différentes questions que vous pourriez avoir. Quand on parle de management ou de leadership, on aborde des sujets qui sont généralement des concepts qui peuvent être abstraits. C'est important que vous, de votre côté, vous puissiez réfléchir réellement à ce que ça représente, ce concept, dans votre vie de tous les jours, comment vous le mettez en perspective par rapport à votre quotidien. C'est généralement dans ce genre de situation qu'on arrive vraiment à le rendre de plus en plus concret et vraiment de récupérer l'essence de la présentation. Alors, je n'ai pas la prétention d'expliquer en détail réellement ce que ça va être, mais c'est plutôt de vous la faire découvrir, de vous introduire réellement ce concept de servant leadership. La plupart des entreprises aujourd'hui, et en particulier les grandes, elles sont confrontées à une crise du management déjà depuis plusieurs années. Je pense que par défaut, ou plutôt historiquement, le management, il est assez paternaliste. Le management, il est très hiérarchique. Le management, il est assez bureaucratique. Il peut être parfois autoritaire. Il n'y a pas forcément beaucoup de flexibilité pour les employés. Il n'y a pas forcément de liberté de prise de décision par les employés. Et en fait, c'est une espèce de pathologie managériale qui s'est accentuée sur les dernières années, particulièrement en France. On a vraiment un modèle qui est pyramidal, qui est assez hiérarchique traditionnellement. Et il s'accentue parce qu'on essaie de calquer la vie des employés sur parfois des process de gestion RH qui sont prédéfinis, qui restreignent un peu, comme je disais, la liberté de ces employés et qui va faire augmenter les contrôles, les reporting en tout genre. Et en fait, on voit une tendance où le manager, il va vouloir tout gérer, il va vouloir tout contrôler, il va vouloir donner les directives, il va vouloir mettre en place des KPIs, il va vouloir faire du micromanagement, il va réellement vouloir creuser les détails pour potentiellement prendre les décisions, mais potentiellement se mettre à dos le bien-être des employés, leur liberté, leur développement, qui sont des éléments qui deviennent de plus en plus importants. Et en fait, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'entreprises qui ont ce type de leadership. C'est un type de management qui est assez commun. Il y a des leaders qui peuvent parfois manquer de courage ou parfois manquer de méthode ou parfois manquer de compréhension des autres styles de leadership qui existent alors qu'ils ont envie de faire changer les choses. Il y a des entreprises qui sont en train d'essayer de faire changer les choses, qui vont présenter ce qu'est le servant leadership dans les équipes, mais qui vont parfois laisser ce projet-là seulement en mode cosmétique et qui ne vont parfois pas le mettre réellement en application parce que le mettre en application, encore une fois, ça demande du courage, ça demande des méthodes et ça demande une compréhension qui est assez précise. Et puis, il y a d'autres boîtes qui le mettent réellement en application. Et ces boîtes-là sont en train de changer les modèles. Et souvent, c'est des startups, on en voit à gauche, à droite, qui ont des modèles culturels qui sont parfois extrêmement paradoxales par rapport à ce que l'on pourrait penser être la bonne chose sur le papier. J'en cite, par exemple, on a Alan, on a Conto, qui sont des entreprises assez innovantes d'un point de vue culturel et managérial, et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester forcément sur ces a priori, il n'y a pas que le style managérial et de leadership historique, traditionnel, qui fait fonctionner une entreprise. Il y a aussi des modèles qui sont beaucoup plus modernes et qui correspondent réellement à ce que souhaitent les employés aujourd'hui. Le modèle traditionnel, il est plutôt bien résumé avec cette image. Sans forcément tomber dans ce qui est excessif, le modèle traditionnel, c'est synonyme de pouvoir et c'est synonyme de contrôle. Le leader traditionnel, grossièrement, c'est quelqu'un qui va commander. C'est souvent une organisation où le manager, il a une position, comme je le disais, plutôt autoritaire, impressionnante, difficilement accessible. Les gens vont avoir du mal à pousser la porte ou aller sur la messagerie instantanée de l'entreprise pour poser des questions. On se dit, c'est mon N plus 1, c'est mon N plus 2, il est là-haut, j'ai un petit peu du mal à aller discuter avec lui.
Et en fait, c'est souvent une organisation où on va avoir des équipes qui vont exécuter les directives, on va avoir des équipes qui ne vont pas expérimenter, qui vont seulement suivre ce qui a été décidé par le manager ou par le leader. Et s'il n'y a pas d'expérimentation, il n'y a pas d'échec. S'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'apprentissage. Et s'il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'épanouissement pour les employés. Alors qu'aujourd'hui, les gens, ils cherchent surtout ça, pardon. Ils cherchent majoritairement à se développer, ils cherchent majoritairement à s'épanouir, à prendre position, à apporter leur voix et leurs compétences autour de la table pour développer un business et se sentir réellement vivant dans l'entreprise. Ce modèle de management que l'on voit là sur ce slide, c'est finalement le plus commun, surtout dans les grosses entreprises à l'heure actuelle. Je suis passé dans des grosses boîtes également. J'ai commencé ma carrière chez Renault, qui a un mastodonte, qui a une structure hiérarchique assez colossale. Il y a du N plus 12. Il y a des process de décision qui sont très longs. On applique les directives, on applique vraiment l'ensemble des tâches qui sont définies par le leadership et par le management. Mais ils sont en train d'évoluer. Même les grosses entreprises sont aujourd'hui en train d'évoluer. Ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Sur le papier, on pourrait se dire que c'est ce type de management qui fait tourner une entreprise, qui satisfait les actionnaires, qui satisfait les clients, mais pas forcément. Le slide d'après, Joséphine, s'il te plaît. Donc, ce que l'on voit généralement dans ces types d'entreprises, c'est un système de priorisation où la top priorité, ça va être de satisfaire les actionnaires. C'est généralement les grosses entreprises, hein, qui ont ce type de priorité. On va se focaliser sur satisfaire les actionnaires. Satisfaire les actionnaires, c'est faire en sorte qu'ils puissent avoir un super retour sur investissement. Les actionnaires, si on les satisfait, ils vont réussir à débloquer des sommes plus ou moins importantes d'argent qui vont nous permettre d'innover, qui vont nous permettre de proposer des nouveaux outils, qui vont nous permettre de développer notre produit, notre entreprise, et donc de satisfaire des clients. Les clients qui deviennent donc la seconde priorité de l'entreprise. Si on a des clients qui sont satisfaits, on a des clients qui vont devenir prescripteurs. On a des clients qui vont parler de leur bonne expérience sur le service ou sur la consommation d'un produit à leur entourage. Ça va rapporter de plus en plus de clients. Le chiffre d'affaires va se développer, le bénéfice va se développer. Et c'est seulement à partir de ce moment-là où l'on pourra satisfaire les employés avec les deux précédentes priorités qui auront été remplies. Si on veut résumer cette image à quelque chose, c'est tout simplement que les employés sont la troisième priorité, voire la dernière priorité d'un modèle organisationnel classique, d'un modèle de leadership traditionnel, finalement. Le servant leadership, qu'est-ce que c'est? C'est là où on arrive vraiment un petit peu plus dans le détail à comprendre à quel point le servant leadership, c'est un modèle qui inverse la pyramide. Il n'y a pas que deux types de leadership qui existent aujourd'hui dans les modèles organisationnels des différentes entreprises. Il y en a une dizaine, une douzaine. Il y a le modèle de leadership démocratique, il y a le modèle de leadership inclusif, etc. Le servant leadership, c'est un des modèles de leadership les plus modernes et les plus en vogue à l'heure actuelle parce qu'il correspond à une génération. Il correspond également à un certain type d'entreprise qui se développe rapidement, qui va beaucoup investir, qui va faire face à des turbulences, et c'est la start-up, clairement. Le servant leadership, c'est un modèle qui est opposé à celui qu'on a vu précédemment. C'est un modèle dans lequel le leader, il va servir ses équipes. Il va se mettre dans une position où il sera à disposition des employés de l'équipe. C'est un modèle où le leader va considérer ses employés comme des clients internes. Et comme des clients externes, que l'on considère parfois comme des utilisateurs, si vous avez dans une entreprise une équipe produit qui va essayer de comprendre les besoins d'un client, l'équipe produit va faire des tests utilisateurs. L'équipe produit va essayer de comprendre quels sont les besoins, comment on peut répondre au client final pour ne pas se tromper, pour vraiment, réellement créer un service, un produit qui va être précis et qui va être fiable et qui va vraiment correspondre à une partie de la population. C'est comme ça qu'on va se développer. C'est la même chose en interne. Si l'employé, il peut être considéré comme un utilisateur, on doit faire des tests avec cette personne. On doit le comprendre. On doit aller lui poser des questions. On doit essayer de comprendre comment il va vouloir se développer. Quelles sont vraiment ses sources d'épanouissement? Quelles sont ses sources de motivation? Qu'est-ce qu'il attend de l'entreprise? Et à partir du moment où on aura réussi à comprendre quels sont ses besoins, on pourra le servir. On pourra créer des process. On pourra créer des outils. On pourra faire en sorte de le coacher, de le développer. Cette notion de coaching, elle est super importante. Le servant leader, c'est finalement un coach. Ce n'est pas forcément un manager, c'est un coach, c'est quelqu'un qui accompagne, c'est quelqu'un qui se met dans les baskets de l'employé, c'est quelqu'un qui va aller sur le front avec lui, qui va comprendre les problématiques quotidiennes et qui, du coup, en comprenant les problématiques quotidiennes, va réussir à répondre à l'ensemble des problématiques de l'employé et ne va pas arriver avec des idées qui sont préconçues, ne va pas arriver avec des a priori qui peuvent venir de sa précédente expérience. Je suis le premier à être confronté à ce genre de situation. 6 ans d'expérience chez Uber, ça
Ça nous fait rentrer dans un modèle, ça nous fait rentrer dans un moule, ça nous fait rentrer dans des méthodes. Arriver dans une nouvelle entreprise où on ne connaît pas forcément le métier, on ne connaît pas forcément les problématiques du terrain, ça demande de prendre du recul, ça demande de se mettre à la place des gens pour réellement comprendre leurs problématiques et pouvoir taper juste avec des outils, avec des méthodes, avec des process, tout ce que l'on peut apporter à l'employé. Si on arrive avec des a priori et seulement avec notre expérience passée, on a une grande probabilité de taper à côté de ce que souhaite réellement l'employé et du coup on perd la confiance des équipes. Le modèle de servant leadership, comme je le disais, il inverse la pyramide que l'on a vue tout à l'heure. La top priorité, c'est l'employé. Et c'est voir le modèle traditionnel à l'envers. C'est-à-dire que on voit sur cette image que le focus premier, c'est l'employé, c'est la priorité la plus haute. C'est de les satisfaire. Si on se concentre à résoudre leurs problèmes, il y aura une certaine logique qui va en découler. Si l'employé est satisfait, il sera motivé. S'il est motivé, il sera sur les bons rails pour réussir. Il aura les bons outils. Il va se sentir épanoui. Il sera super productif. Il fera du très bon travail. Et si il fait du très bon travail et il est productif et il est motivé, il y aura forcément une répercussion directe sur la satisfaction des clients. S'il y a une répercussion directe sur la satisfaction des clients, encore une fois, on va avoir des prescripteurs. On va avoir des clients qui vont en parler autour d'eux. Et du coup, on va avoir un chiffre d'affaires qui va se développer, un bénéfice qui va se développer, et enfin, une troisième priorité qui va être de satisfaire les actionnaires. On arrive finalement à atteindre les objectifs comme dans le modèle traditionnel. Donc, c'est un modèle qui fonctionne, le servant leadership. Mais il y a une priorité que l'on aborde avec beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'insistance, c'est l'employé, c'est son bien-être. C'est faire en sorte qu'il se développe. Et finalement, c'est là où on s'épanouit le plus et c'est là où on se sent un peu plus vivant au jour le jour en tant que manager. J'ai discuté avec pas mal de managers de différentes boîtes sur les derniers mois pour comprendre quelles pouvaient être les contraintes pour implémenter une nouvelle culture, quelles pouvaient être les bonnes idées pour opérationnaliser une culture forte dans une entreprise. Chez Bellman, on est en train de construire l'entreprise. On doit développer une culture qui est puissante, qui fédère les gens et qui se voit tous les jours, au quotidien, dans les bureaux, dans les couloirs. J'ai discuté avec pas mal de monde et ces différentes personnes me disaient que oui, la majorité de leur épanouissement, c'était quand ils réussissaient à développer des gens. C'était de voir que 3 ans plus tard, il y avait eu de la rétention, que les employés étaient toujours dans l'entreprise, avaient toujours le sourire et s'étaient développés. Et c'était leur top priorité. Leur top priorité, c'était de se sentir épanoui en tant que manager et d'avoir réussi à développer l'ensemble des employés. Et non pas d'avoir réussi à atteindre des targets de rentabilité et non pas avoir réussi à développer des nouvelles business lines, c'était vraiment d'avoir réussi à développer des gens. Et ça, c'est un truc qui est partagé par les entreprises modernes où on a vraiment des modèles de leadership qui sont également modernes et qui ont réussi. En ayant discuté avec pas mal de gens qui, pour le coup, avaient un modèle traditionnel dans leur entreprise, il y a plusieurs questions qui ont été identifiées et plusieurs mythes qu'il faut démystifier. Le premier mythe, c'est le servant leader, il donne le plein pouvoir aux employés. Il n'y a que ça qui compte. Le pouvoir est rendu aux employés. Il n'y a absolument plus de pouvoir, entre guillemets, pour les leaders, pour les managers, pour les coachs. C'est quelque chose qui ne tient pas la route parce que le servant leadership, c'est plutôt le partage du pouvoir. Ce n'est pas donner le plein pouvoir aux employés, c'est le partager avec eux. C'est leur proposer de prendre part aux décisions parce qu'ils ont certainement des bonnes idées, parce qu'ils connaissent parfaitement bien les problématiques sur le terrain, parce qu'ils sont sur le front. Ils seront bien plus à même que les gens qui ne sont pas forcément sur le front d'être créatifs et de penser à ce qui est important pour l'entreprise. Le servant leadership, c'est impliquer, comme je le disais, les employés dans ces décisions. C'est empower. Les équipes, c'est les coacher, c'est les former pour qu'ils puissent utiliser ce pouvoir à bon escient. Le servant leader, c'est quelqu'un qui va travailler dur pour comprendre, comme je le disais, ce que les gens sont capables de faire, sont capables de réaliser, et il doit identifier ceux qui vont avoir le plus besoin de coaching. Le coaching, il est variable en fonction des gens. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin, il y a des gens qui en ont besoin, il y a des gens qui en ont beaucoup plus besoin que certains. Le servant leader, ce n'est pas quelqu'un qui va uniformiser le coaching et qui va pousser une formation ou des méthodes de manière uniforme à l'ensemble d'une équipe. C'est quelqu'un qui va s'adapter aux gens. C'est quelqu'un qui va faire preuve d'écoute. C'est quelqu'un qui va faire preuve d'empathie et qui va designer des plans précis, chirurgicaux, en fonction de la personne que l'on a en face de soi. Et c'est en faisant ça qu'on va réussir, à exploiter, entre guillemets, le plein potentiel des employés et à faire en sorte qu'ils utilisent le pouvoir à bon escient.
pour prendre les bonnes décisions par eux-mêmes et du coup déléguer de plus en plus la décision aux gens qui sont sur le front. Le mythe numéro 2, c'est le servant leader se dédouane de toute responsabilité. C'est vrai que si on partage le pouvoir et si on met un énorme focus sur la satisfaction, le bien-être, le développement des employés, on pourrait se dire le manager, il n'a plus de responsabilité. Le manager, il peut dire, c'est pas de ma faute, c'est l'employé qui a pris la décision, c'est lui qui assume, c'est lui qui est responsable. Ce n'est pas le cas. Le servant leader, il est finalement maître de l'objectif final. C'est lui qui doit assumer la finalité des décisions et si les objectifs sont ratés ou si les objectifs d'entreprise sont remplis. Si une équipe ou des employés n'atteignent pas leurs objectifs, c'est le servant leader qui doit s'auto-juger et qui essaiera de comprendre ce qu'il aurait pu faire de mieux pour réussir, ce que l'équipe aurait pu faire de mieux pour réussir. Donc, ce n'est pas mettre en cause vraiment l'employé, c'est partager la cause avec les employés, comprendre qu'est-ce que l'on aurait pu faire de mieux et essayer de comprendre quelles peuvent être les solutions que l'on peut mettre sur la table tous ensemble, sans forcément se dire que c'est le manager qui va vraiment prendre aucune décision désormais et ne va prendre aucune responsabilité d'un échec ou d'un succès d'ailleurs. C'est valable pour les deux, le succès et l'échec. Le mythe numéro 3, c'est de penser que le servant leader ne pense plus du tout aux actionnaires et que le servant leader ne pense plus du tout aux clients. La satisfaction client, c'est quelque chose qui est critique. C'est quelque chose qui nous permet de développer une entreprise, ça c'est clair et net. Mais le servant leader, il pense dans un premier temps à l'employé. On ne dit pas qu'il ne pense plus aux clients, on ne dit pas qu'il ne pense plus aux actionnaires, on dit qu'il y pense en seconde priorité et en troisième priorité. Et c'est un modèle qui fonctionne. Il faut penser dans un premier temps à l'employé, mais il ne faut pas oublier les deux autres acteurs d'un business que sont les actionnaires et que sont les clients. Il faut bien évidemment les prendre en compte dans toutes les décisions. Le servant leader, comme je disais, il prend le problème à l'envers d'un modèle traditionnel. Ce n'est pas juste se focaliser sur l'employé, c'est juste inverser les priorités. Et ça passe par plein de méthodes que l'on peut mettre en application dans une entreprise. Il y a un état d'esprit qui est important de comprendre et d'absorber pour devenir servant leader ou pour appliquer ce type de leadership dans une organisation, dans une entreprise. Et c'est souvent sous forme de questions. Quand on a des managers, c'est d'ailleurs des questions que je pose assez régulièrement en entretien de recrutement pour des postes où il y a des responsabilités. C'est voir si les gens vont se poser les questions de manière individuelle, de manière personnelle, ou vont se poser les questions de manière collective. Un servant leader, c'est quelqu'un qui va se demander comment l'équipe va pouvoir réussir en collectif, et non pas comment de manière individuelle je vais pouvoir réussir, je vais pouvoir réussir à atteindre mes objectifs, je vais pouvoir réussir à développer l'équipe, je vais pouvoir réussir à développer l'entreprise. C'est finalement un collectif, c'est une équipe, c'est comme une équipe de foot, on a un coach, et après, on va faire en sorte que les gens collaborent entre eux. Et c'est finalement le collectif qui va permettre de mettre des buts et qui va permettre de gagner la Coupe du Monde comme en 2018. C'est exactement la même chose avec le servant leadership. La deuxième question qu'il est important de se poser en tant que servant leader, c'est comment je vais t'aider, comment je vais vous aider, les employés d'une équipe, et non pas comment un outil ou comment une décision ou comment un projet va m'aider, moi en tant qu'individuel, moi en tant que manager, moi en tant que leader, pour potentiellement gravir les échelons dans une entreprise qui est du coup un caractère assez égoïste, assez individualiste et qui a tendance à fonctionner de moins en moins dans les organisations modernes, dans les startups d'aujourd'hui. C'est très important de changer de mindset, de changer d'état d'esprit pour réussir à implémenter ce type de leadership et ce type d'organisation dans une entreprise, qu'elle soit petite ou qu'elle soit plus grande. Il y a plusieurs caractéristiques pour savoir si on est un servant leader ou pour tenter de devenir un servant leader. Devenir un servant leader, c'est... Il faut avoir du courage parce que c'est des méthodes que l'on doit changer. C'est un état d'esprit qu'on doit changer. C'est un travail de tous les jours. Et ça passe par plusieurs éléments qu'il faut travailler finalement quotidiennement. Le premier élément, c'est l'écoute. L'écoute, c'est un élément que l'on utilise tous les jours avec ses amis, avec sa famille. Parfois, on entend, mais on n'écoute pas. C'est valable tous les jours. Il ne faut pas juste entendre. Il faut écouter. Il faut écouter de manière active. Il faut creuser. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière une question. Il faut creuser la question, il faut aller chercher les détails pour réellement comprendre ce que la personne souhaite communiquer, parce que parfois elle n'est pas explicite, cette personne, elle va rester implicite. Et c'est avec l'écoute active qu'on va réussir à comprendre tout le contexte et à réellement réussir à se faire une idée, à analyser et derrière à mettre en place les bonnes actions pour l'employé, pour l'équipe, pour l'entreprise.
Le deuxième élément, c'est être empathique. Être empathique, on pense parfois que c'est inné, que ça appartient à sa personnalité, mais c'est quand même quelque chose qui se développe. Et c'est souvent lié avec l'écoute. Être empathique, c'est connaître son équipe, c'est identifier les forces, les faiblesses de chacun, c'est accepter le caractère unique des employés de son équipe, c'est présumer les bonnes intentions de ses talents, c'est communiquer sur le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie également, que tous les employés sont égaux. C'est tout ça l'empathie. Et c'est un travail quotidien. C'est un travail quotidien. Parfois, on pourrait penser que seulement en écoutant, on est empathique, mais ça ne s'arrête pas seulement à l'écoute. C'est vraiment dans le partage et dans le partage des émotions finalement avec les gens qui vont être en face de nous. Ce n'est pas seulement aborder les sujets professionnels, c'est également aborder les sujets qui sont personnels parfois et qui peuvent entacher la performance de certains employés, de certaines équipes. Le troisième élément qui est important, c'est guérir. C'est guérir, c'est-à-dire aider son équipe à faire table rase du passé, à oublier ses expériences. On a parfois des nouveaux employés qui arrivent dans l'entreprise, qu'on va devoir onboarder, qui viennent avec leurs idées préconçues, et c'est normal. Tout comme après 6 ans passés chez Uber, on arrive avec son expérience, ses idées préconçues. C'est important de faire table rase du passé et se mettre à fond dans sa nouvelle expérience. Et le coach, le leader, le manager, il doit aider l'employé à faire table rase du passé, à faire un genre de reset pour se calquer sur une nouvelle culture, pour se calquer sur une nouvelle organisation, sur un nouveau style de leadership, sur des nouvelles méthodes, sur des nouveaux modes de communication, sur des nouveaux process, sur des nouveaux outils. Le quatrième, c'est avoir conscience. Celui-là, il est un peu abstrait, mais c'est avoir conscience de soi-même, en tant que leader, en tant que manager. Se connaître, mettre son ego de côté. Un manager, un leader qui n'arrive pas à mettre son ego de côté n'arrivera pas à servir ses équipes. Aura toujours la question comment je peux me développer qui reviendra en priorité, au-delà de la question comment nous pouvons nous développer en tant qu'équipe. Mettre son ego de côté, savoir prendre du recul en permanence, réussir à créer un environnement de confiance, demander du feedback de ses équipes, demander du feedback de ses employés, profiter des moments de discussion pour poser à la personne que l'on a en face de nous, qu'est-ce que tu penses de mon style de leadership? Qu'est-ce que tu penses de mon style de management? Comment je peux t'aider encore plus? C'est quoi pour toi le manager idéal et comment moi, en tant que manager ou leader, je peux y aller? C'est ça, avoir conscience de ses limites, avoir conscience de ses forces également, mais réussir à s'adapter finalement à ses équipes. Le cinquième, c'est persuader. Un servant leader, c'est quelqu'un qui va réussir à influencer des décisions dans une entreprise. C'est quelqu'un qui va réussir à défendre ses équipes. C'est quelqu'un qui va réussir à mettre sur un piédestal les projets de ses employés, les projets de ses équipes. Parce que les bonnes idées viennent du terrain. Parce que les bonnes décisions viennent souvent également du terrain. C'est important pour le servant leader et donc pour son équipe de réussir à mettre sur le piédestal, d'argumenter, de le mettre à contribution de l'ensemble du business et de le partager à l'ensemble des autres équipes pour que les employés d'une équipe puissent finalement se sentir épanouis, puissent se sentir importants dans l'entreprise également. C'est une caractéristique, celle-ci, qui est très importante. On a souvent des leaders ou des managers qui vont juste faire le lien de communication entre le top et le down, qui vont juste être un vecteur de communication vers le bas ou vers le haut, mais qui vont rarement prendre les projets à part entière d'une équipe et les faire briller dans les équipes qui sont adjacentes. Ça, c'est un élément qui est très important pour le développement des équipes et pour le bien-être des employés. Le sixième point, c'est savoir conceptualiser. Un servant leader, c'est quelqu'un qui arrive à donner le cap. C'est quelqu'un qui arrive à donner la bonne direction. C'est comme un capitaine de bateau. C'est quelqu'un qui va comprendre l'organisation, qui va réussir à identifier les problèmes avant qu'ils ne surviennent. C'est quelqu'un qui va savoir définir une strate. C'est quelqu'un qui va réussir à communiquer cette stratégie et qui va réussir à récupérer le buy-in des autres équipes et de ses employés. C'est quelqu'un qui va communiquer avec un schéma que j'aime beaucoup, qui est le why, le what et le how. Quand on communique quelque chose, il ne faut pas juste aborder le what et le how, sinon les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le contexte, ils ne comprennent pas pourquoi on met en place un projet, pourquoi on met en place une initiative. Aborder le why, c'est quelque chose qui est très important et ça fait partie de la conceptualisation d'un projet et de la stratégie. Le septième point, c'est apprendre du passé, c'est apprendre des erreurs, c'est développer une culture de l'apprentissage. Et ça, c'est dur parce que parfois, on a des populations d'employés qui vont avoir peur d'avouer l'échec, qui vont avoir peur de dire je me suis foiré, qui vont avoir peur de dire j'ai des limites. J'ai fait des erreurs dans le passé, mais en fait, il n'y a que comme ça qu'on réussit à apprendre.
Je suis le premier à le savoir, ou peut-être pas encore parce qu'elle est encore un peu jeune, elle a que 3 mois, ma fille. Mais dans quelques mois ou dans quelques années, elle fera des conneries, elle va buter contre un mur, elle va se casser la figure, elle fera des erreurs, mais c'est aussi comme ça qu'elle apprendra à marcher. C'est exactement la même chose dans une entreprise, il faut apprendre du passé. Et pour apprendre du passé, bah, il faut faire des rétrospectives, il faut faire ce qu'on appelle dans le monde tech des post-mortem pour savoir pourquoi on a fait l'erreur et pourquoi la prochaine fois on essaiera de ne plus refaire cette erreur. Très important. Le huitième point, c'est montrer l'exemple. C'est avoir une culture d'entreprise forte où tous les leaders montrent l'exemple au quotidien. Tous les leaders doivent prendre part à montrer l'exemple. Un servant leader, c'est quelqu'un qui montre l'exemple. C'est quelqu'un qui va essayer de diffuser une culture dans son équipe sur certains éléments qui sont précis, mais qui ne doit pas aller à l'encontre de ces cultures, sinon on crée un nouveau standard. Et si on crée un nouveau standard qui est en dessous de la culture que l'on a définie, les gens utiliseront ce standard. Puis quand ces gens deviendront managers, ils créeront un nouveau standard qui potentiellement sera plus bas. Et c'est comme ça qu'on a une culture d'entreprise qui initialement est censée et doit avoir un impact positif qui commence à chavirer. Montrer l'exemple, c'est la base de tout dans une entreprise. Le neuvième point, peut-être un des plus importants, c'est investir pour développer, c'est vouloir développer les gens au plus profond de soi-même. C'est avoir une vraie fierté lorsque les gens ont réussi à se développer, ont réussi à grandir dans l'entreprise. C'est s'engager à les faire grandir. C'est chercher le plein potentiel, qu'il soit professionnel, mais également qu'il soit personnel. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de perméabilité entre le monde professionnel et le monde personnel. On a de plus en plus de télétravail. On a de plus en plus de partage sur nos vies personnelles avec les collègues. On a de plus en plus d'amitié. On a des groupes qui se forment. Et c'est important de développer les gens professionnellement, d'un point de vue compétence dans l'entreprise, mais de les développer également personnellement. Et pour ça, il y a plein de méthodes qui existent. Le dixième point, c'est créer une communauté. S'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas d'équipe. Créer une communauté, c'est réussir à créer une vision qui est partagée entre tous les employés. C'est du coup une compétence qui est nécessaire pour le servant leader. C'est réussir à cultiver des relations inter-équipe. C'est réussir à briser les tabous. Les tabous qui peuvent être, je ne comprends pas ce que fait cette équipe dans l'entreprise. Je ne comprends pas réellement quels sont ses objectifs. Le servant leader, c'est quelqu'un qui va créer du lien un peu magique entre les différentes équipes, entre les différents employés, pour faire en sorte que les gens se comprennent, pour faire en sorte que les gens interagissent, pour faire en sorte que les gens collaborent entre eux. Et c'est comme ça qu'on réussit à obtenir une performance qui est beaucoup plus importante que dans d'autres entreprises où l'organisation, elle est traditionnelle et le servant leadership n'a pas forcément d'impact. Alors, il y a une question qu'on se pose, c'est comment on peut faire en sorte de changer finalement sa méthode organisationnelle et le leadership dans une entreprise. Ça demande beaucoup de courage et ça demande de prendre des risques. Parfois, on peut se dire, bon, bah, c'est bon, on a 60 employés dans l'entreprise ou 100 ou 150, c'est trop tard, c'est fini. Fallait qu'on aborde ce sujet-là il y a 3 ans quand on était 25. C'est jamais trop tard et surtout, c'est important de le faire parce qu'une entreprise qui a 60, 100, 150 employés, dans 3 ans, il y en aura peut-être 500 après plusieurs levées de fonds. Donc, c'est jamais trop tard, mais il faut prendre le courage réellement d'aborder cette problématique le plus tôt possible quand même. Généralement, on aborde la notion de changement organisationnel et de changement de leadership quand on identifie des problèmes. Et quand on identifie des problèmes, ça peut être parfois des gens qui font face à une charge de travail qui est trop importante. Ils sont proches du burn-out. Ça veut aussi dire qu'il y a un mal-être. Ils ne se sentent pas bien dans l'entreprise. Ils ne comprennent pas, ils ne sont pas considérés, ils n'arrivent pas à collaborer avec les gens. Il y a donc un problème de leadership, il y a un problème d'organisation. Le manager fait peut-être pas forcément le boulot qu'il devrait faire. Il faut insister du coup sur la notion d'urgence. Il y a un gros problème, c'est rouge écarlate, il y a des gens qui peuvent quitter le navire, qui vont craquer. Situation d'urgence. Qui dit situation d'urgence dit on doit mettre en place un plan d'action rapidement. Et quand on insiste sur la situation d'urgence, les gens, ils sont beaucoup plus à même de comprendre ce que l'on va mettre en place. Le deuxième point, c'est d'impliquer tout le monde dans l'entreprise. C'est d'impliquer tous les leaders. Le changement organisationnel et le changement de leadership, ça ne peut pas se faire seulement dans une petite équipe. Ça se fait généralement dans une équipe au global parce que tous les leaders montrent l'exemple. Et c'est important que le servant leader, en tout cas celui qui veut pousser la nouvelle vision de leadership de l'entreprise, puisse communiquer et puisse influencer le style de leadership des autres leaders de l'entreprise pour que ça aille plus vite et pour qu'il y ait beaucoup plus d'impact. C'est important, comme je le disais, de conceptualiser, comme pour toutes les autres initiatives ou tous les autres projets. Il faut développer une vision, il faut expliquer pourquoi on change de leadership, pourquoi on change de méthode, pourquoi on change d'organisation et comment on va la mettre en place. Comment on la communique, super important. Communiquer les étapes du changement pour que les gens ils puissent vraiment comprendre quels sont les différents jalons de ce changement, comme pour tous les projets. Communiquer, ça permet aux gens de se dire oui, ça avance.
Oui, je peux mettre la main à la pâte, moi également. Oui, je peux donner mes idées en fonction du stade d'avancement de ce changement organisationnel. Le cinquième point, c'est soutenir la prise de risque. C'est important d'éliminer tous les obstacles. Les leaders qui veulent changer un modèle organisationnel ou un modèle de leadership, ils doivent faire comprendre aux gens que oui, c'est le bon moment, et oui, ça paye de prendre des risques. Et oui, il faut être courageux, et oui, si on se plante, ce n'est pas grave. On aura expérimenté, et on en sortira beaucoup plus grand. Le manager, c'est son travail. Il doit faire ce travail-là, qui plus est quand on change quelque chose qui est structurel, c'est-à-dire l'organisation et les méthodes managériales. L'avant-dernier point, c'est faire en sorte de générer des résultats très rapidement. Si on parle d'un changement organisationnel, que l'on parle d'un changement de leadership, mais que l'on ne génère pas des résultats très rapidement, les gens vont perdre confiance, les gens vont être dans le flou, les gens vont être dans un bateau qui est en train de divaguer un petit peu et qui ne garde plus le cap qui était initialement défini. Donc c'est important de générer des résultats très rapidement pour montrer réellement que le changement, il a de l'impact et que c'est une réussite. Et une fois qu'on a réussi à générer des résultats très rapidement, on répète le cycle. On continue de changer l'organisation. Et c'est sur un cycle de plusieurs mois, en répétant toutes ces étapes, que l'on réussira vraiment à faire passer une entreprise qui avait un modèle traditionnel de management à une structure de leadership qui sera beaucoup plus moderne et qui remettra l'employé au cœur des priorités du business, avec un bien-être, avec des gens motivés, avec des gens productifs et juste avec des gens qui kiffent être entre eux et qui kiffent leur boulot et qui ont envie de se lever le matin pour aller voir les copains. Là, pardon, Julien, une question pour toi de Mélina qui te demande justement comment est-ce qu'on peut changer tout ça si on n'est pas forcément en position de team leader? C'est une bonne question. Je pense que déjà, il faut, pour changer tout ça, il faut se reposer sur des piliers de l'entreprise qui peuvent avoir déjà des prédispositions à être des servant leaders, qui peuvent avoir des prédispositions à changer la structure managériale. Ces gens-là, ils vont être à l'écoute forcément parce que c'est quelque chose qui les motive. Demain, si j'arrive dans une entreprise, ce qui n'est pas le cas, si j'arrive dans une entreprise où le style de management, il est très traditionnel, il est très pyramidal, mais j'ai envie de faire changer les choses, et je sais qu'il y a différents employés qui veulent également faire changer les choses dans cette structure, je ferai en sorte de laisser la porte ouverte et je ferai en sorte d'aller à la rencontre de ces gens-là dans les différentes discussions, autour d'un café, autour d'une bière le soir, pour aborder ces sujets et être à l'écoute des gens qui ont envie de faire changer les choses. Et moi, je ferai en sorte, parce que je serai prédisposé à faire changer les choses, d'aller discuter par la suite, c'est le point numéro 2, d'aller discuter par la suite avec les autres leaders, de les impliquer et de leur faire comprendre que oui, il y a des volontés de certains employés dans l'entreprise de faire évoluer le modèle organisationnel et le modèle de leadership dans cette entreprise, en l'occurrence. Trop bien. Merci beaucoup, Julien. Et j'en profite pour lire les autres questions. On a aussi une question de Marion. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent de mesurer le passage vers un modèle servant leadership? Comment est-ce que tu fais pour mesurer un Ouais. peu? Il y a un indicateur qui est. Alors, le modèle de servant leadership, ce n'est pas priorité aux investisseurs et aux actionnaires, auquel cas les indicateurs, on les connaît, c'est la rentabilité, c'est l'EBITDA, c'est le bénéfice, c'est la croissance. Si on change la pyramide, comme on en a parlé au début, et qu'on met le focus premier sur les employés, l'indicateur qui est utilisé dans pas mal de startups aujourd'hui, de plus en plus, qui est super important, c'est ce qu'on appelle le NPS des employés. Tout comme on va aller tester le NPS, donc le Net Promoter Score, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un indicateur de satisfaction. Vous répondez parfois à des enquêtes après une interaction avec un service client qui est est-ce que vous recommandez SFR, Amazon à votre entourage entre 0 et 10? Ça, c'est le NPS. Mettre en place cet indicateur dans les équipes et donc récupérer la data. Est-ce que oui ou non mon employé de mon équipe recommande mon entreprise à l'extérieur? Va vous permettre de savoir si, en termes de bien-être, il se situe plutôt en haut ou plutôt en bas, si on lui donne tous les outils nécessaires pour se développer, si il est épanoui, si il a l'impression qu'il a de l'impact. Tout ça va être considéré dans la note du NPS de l'employé. Pour moi, c'est l'indicateur le plus pertinent et je pense que c'est un indicateur qui doit être mis en place dans la majorité des entreprises et qui doit aussi impacter la performance des managers. C'est quelque chose que l'on va mettre en place très rapidement chez Bellman. Les managers, les leaders, les coachs de l'entreprise auront bientôt un variable qui sera indexé sur le NPS des employés pour ne pas juste avoir des objectifs de performance d'entreprise, mais également des objectifs de performance des employés et de leur bien-être.
Bien, merci beaucoup Julien. Et on a une autre question cette fois-ci de Maxence qui dit c'est super clair dans un contexte où les employés sont de bonne foi et ont envie d'être développés, mais comment gérer ce qu'on ne pense potentiellement pas pouvoir développer? C'est une bonne question, Maxence, et je pense que tu as été confronté à ça sur les derniers mois. Je pense que n'importe quel employé peut être développé si on arrive à trouver ses motivations. Chaque employé. Ah, pardon. Ah, c'est un autre Maxence. Okay. Chaque employé a des motivations qui sont uniques. Si cet employé est dans une entreprise, c'est qu'il est venu pour une bonne raison. Il est venu pour des éléments qui sont propres à lui et il faut en parler avec lui. Comme je le disais tout à l'heure, et c'est la première caractéristique du servant leader, c'est l'écoute active, c'est l'écoute précise. Le manager, quand il a des employés qui vont arriver dans son équipe, je pense que une des premières choses qu'il devrait faire, c'est discuter de manière assez profonde avec la majorité des gens qui sont dans son équipe et faire en sorte de comprendre quelles sont réellement les motivations de cet employé. Si on arrive à comprendre quelles sont réellement les motivations de cet employé, ça peut être la mission, l'impact, collaborer avec des gens sympas autour de lui et qui sont brillants. Parfois, ça peut être l'argent. Parfois, ça peut être se développer rapidement. Parfois, ça peut être avoir une work-life balance beaucoup plus développée qu'ailleurs. Il y a des motivations qui sont différentes. Si on arrive à comprendre les motivations, je pense qu'on arrive à trouver les solutions à la problématique de chacun des employés et à réussir à les développer. Mais il faut vraiment avoir une démarche qui est customisée en fonction des différentes personnes de son équipe. Très bien, merci beaucoup Julien pour tes réponses. Je te laisse. Ah ben voilà, on est passé à la partie questions.